La lecture. Depuis notre enfance, nous avons appris à lire mot à mot. Aussi est-il important de revoir notre façon de lire, en nous inspirant d'une autre démarche, aller du général au particulier. Cela dit, souvent nous reconnaissons les mots plus que nous les lisons. Voici un bel exemple de ce phénomène. Depuis quelques années, le texte suivant circule sur Internet. On devrait lire, selon une étude de l'Université de Cambridge, l'ordre des lettres dans un mot n'a pas d'importance. La seule chose importante est que la première et la dernière soient à la bonne place. La lecture active ne suppose donc pas de s'arrêter à chaque mot. Mais ce n'est tout de même pas une excuse pour se permettre des fautes d'orthographe.